suis enseignante à l'UT de Valence, spécialisée en marketing, et je travaille avec Promising sur le développement d'un module qui s'appelle Projet professionnel et personnel. C'est un peu un concept universel. C'est un peu autre chose que de savoir faire du piano ou de savoir dessiner. C'est un état d'esprit un peu décalé, un peu universel, qui aurait comme caractéristique peut-être de savoir rebondir, savoir imaginer des solutions. C'est un accompagnement d'étudiants pour les aider dans leur construction de projets professionnels, mais aussi personnels, en vue d'une orientation qui leur corresponde. Grâce à Promising, on a conceptualisé un séminaire de 2 jours avec 6 intervenants coordinateurs d'ateliers, une trentaine de chefs d'entreprise du tissu économique local, et on a conceptualisé un PPP avec plein d'outils créatifs, donc le CPS, le théâtre d'impro, l'échange, la communication, et puis des jeux. D'abord, ça les rassure sur leur capacité à communiquer avec des professionnels, puisque des fois, ils ont peur, ils n'osent pas, ils disent « mais attendez, ils n'ont pas que ça à faire que de nous accorder du temps ». Et ça les rassure sur le fait que les professionnels, au contraire, ils aiment transmettre, ils aiment donner du sens, ils aiment donner envie, et que c'est vraiment dans cet esprit-là, vraiment de bienveillance. Voilà. Donc en fait, le fait de mieux se connaître et d'accepter qui ils sont, les aide aussi la sérénité dans ces choix-là. Et s'ils veulent faire le tour du monde l'année prochaine, lâcher toutes les études, bah pourquoi pas, du moment que c'est en accord avec ce qu'ils ont besoin à un moment donné dans leur vie. Donc on les rassure par rapport à ça. Du coup, et le fait de rencontrer des professionnels qui sont bienveillants, qui sont dynamiques et qui leur donnent envie, les rassure aussi sur le monde professionnel qui n'est pas que contrainte, parce que les jeunes, ils ont un peu des problèmes. Qu'on peut faire aussi ce qu'on aime tout en gagnant notre vie, en donnant du sens, voilà.